coup dans le pays d'Haïti, nous connaissons que il y a un peu le journal qui a écrit, mais un journal depuis l'écrit tout le monde et pas dire amen, mais depuis l'écrit en bagaille là, tout le monde plus ou moins fait la confiance, c'est le nouveliste, pas vrai? Ouais. Et dans tout pays, comme ça. Il vient avec réseau social qui gagne, médias en ligne, qui dit des bagailles. Vous dans presque tout pays, mais sauf que dans l'autre pays, ils ont contrôlé. Ils ont contrôlé. Ils n'ont pas qu'à dire n'importe bagaille. Il y a une instance qui coiffe ou contrôler ça, mon abdi. Ou pas qu'à en écrire, même si c'est en ligne mouillé, ou faire un intox, ou qu'on fausse information sur un monde, soit pour avis l'île, soit pour Caponel. Donc, ou bien côté, on va poser une question. Parce que, il y a une instance concernée qui contrôle ça. Contrairement avec ici, tout vos pseudo, tout le monde journaliste, et pour un téléphone intelligent dans le monde. Donc, ça nous a dit là que c'est au conditionnel. Parce que tout le monde connaît que sous boulevard, nous te dit déjà, nous pas faire jouer pièce monde. Pièce monde. Nous pas bailler priorité avec un groupe monde pour handicaper un autre groupe. Donc c'est information que nous bailler, et ça fait nous toujours dire que nous pas gain patron dans monde politique là. Nous pas gain patron dans monde politique là pour n'a venir jouer monde, avili monde pour faire un groupe patron plaisir ou bien yo payer pour nous faire ça. Donc n'a dit le Jean Noël là, n'a dit le Jean Noël là. C'est information sur tout réseau yo. Gaé, on a voué le banon, bien que c'est et n'aller dans ce sens là, n'a regardé le journal ça, il bien existe dans le pays Colombie, et c'est un journal qui très lu, c'est donc ça nous joint. Il ça fait que si Avel nous a supposé l'ouvrir journal là, mais toute la nuit là, par mesure de prudence, par mesure de précaution, pour ne pas entrer dans le jeu de l'intox qu'a fait dans la société à jour et jeudi à. Et puis pour favoriser un groupe au détriment de l'autre groupe, nous pas de rentrer dans ça. Et ça fait que tout pendant tout journal a fait là, n'a vérifié nous sur internet là. Premier bagage n'a cherché, est-ce que Noticias Caracol li existait? Oui, li existait. Est-ce que c'est un presse dans pays la Colombie? Oui, son presse dans pays la Colombie. Est-ce que dans le pays la Colombie, vous reconnaissez Yobal Baptiste? Oui, Yobal Baptiste. Est-ce que un pile monde dans le pays Colombie fait confiance? Oui, yo l'île en pile. C'est dans ce que nous dit, c'est dans ça nous-mêmes nous vérifions. Mais ça le dit. Détails commencent par être clair pour Noticias Caracol. Le fait qu'on est que enquête FBI a mené de concert avec autorité dans la Cour pays d'Haïti, il t'a fait comprendre que premier ministre actuel là, Claude Joseph, c'est un dans principal cerveau la mort président Jovenel Moïse. Il dit que chercheurs en magnicidio ont traité 10 000 données initialement dans données yo. Yo fait comprendre que plan c'était enlever président Jovenel Moïse et puis pour Claude Joseph qui montait prend la mayole au pouvoir. Crime aurait été Jean Lia t'assembler planifié. Comme ça nous traiter aurait été à nous là et puis nous là nous a bon route t'assembler planifié à partir de mois novembre 2020 dans siège CTU CTU qui c'est security dans Miami dans bâtiment CTU hein. Te gen 6 moun garçon kanson. Sa yo se cerveau, se clé que yo ta rencontré ak 6 poilou sa yo. Président City Wa qui se Antonio Entriago, c'est un Colombien, c'est Colombien, un Colombien qui lié également avec City Wa. Donc yo parlé de Archange Pritel qui c'est une détenue
qui dans pays d'Haïti mais c'est un haïtiano-américain. Vous parlez également de James Soulage, vous parlez de médecin ou bien pasteur Christian Emmanuel Sanon. Vous parlez de frère un capitaine colombien qui est en retraite, qui c'est Jonathan Rivera Garcia. Vous parlez d'un diplomate haïtien, d'un que bah, on est, si nous connaissons, qui est Azkad. Selon toutes données, enquêteur FBI avec autorité Paboïcite, t'a désigné, toujours conditionnel, Claude Joseph, Premier ministre, Christian Sanon, pasteur médecin, avec John Joel Joseph, ancien sénateur de la République, comme cerveau dans l'attaque. Ça. Et preuve yo là, il y a enregistrement, appel téléphonique, il y a photo Premier ministre là avec mercenaires colombiens yo après une réunion qui était faite dans mois novembre. Bon, comme si vous avez ça guerrier probablement en tant de photo. Je suis dit bien photo côté Premier ministre là t'est posté avec colombien yo avec nèg qui t'a planifié et quoi en tant de photo. Yo parlé de Jonathan Rivera Garcia. Donc c'est lui qui t'a gain contact en premier qui t'a relié Citiou avec Frel qui c'est German Rivera qui c'est un capitaine retraité. Yo parlé tout d'un Duberné Capadol qui c'est sergent retraité également. Yo identifié yo comme recruteur groupe militaire à la retraite qui t'a intéressé. Cuba t'es autorisé voyager yo pour t'es importé gratuitement des médicaments et des aliments pour tes chercheurs yo gain bon gens preuve que James Soulage t'es gagné contact constant avec frère Rivera et Capadolio entre novembre pour vivre mois mai. Bon côté pal yo lié un certain de Fenil Cordon Désir yon avocat yon homme politique haïtien qui t'a chargé pour fournir zam. Je n'ai pas parlé zam auditeur pour comprendre un exercice difficile, un exercice français créole. Assassinat président Jovenel Moïse là, il commencé planifié dans mois novembre l'année 2020. Point d'interrogation et qui Wolf Claude Joseph t'a joué dans rôle ça là, on tient cohérence et a cherché vérifier puis devant. Quand elle planifié, il planifié dans bâtiment siège City ou dans Miami. Côté des gagnants vénézuélien Antonio Intriago qui c'est propriétaire d'une entreprise et donc des gagnants mon manager colombien qui c'est Akangel Pretel, un haïtien d'origine lui-même qui c'est américain d'origine haïtienne, James Soulage. Un diplomate haïtien, il est retourné avec lui encore. Non famille, c'est Azkad. Médecin haïtien qui est déjà capturé, pasteur Christian ou bien docteur Christian, ensemble avec Colombien Jonathan Rivera Garcia, yo nan main la justice. Participants qui te gagnent en réunion dans Miami, qui ça vous te prévoit? Yo te prévoit dans moment opération bien entendu. Enlever président Jovenel Moïse pour y'a prendre pouvoir et puis laisser comme président Claude Joseph, actuel premier ministre. La. Révélation 1, on tourne une surprenante. Et dans l'enquête, les amis auditeurs, autorité haïtienne avec enquêteur FBI, y'a considéré premier ministre comme figure de proue dans le crime. Sa. Bon côté, docteur Sanon. Ak John Joel Joseph, ancien sénateur de la République, qui venait jeudi à Medzel Nandol, ils sont fugitifs, puis la justice a cherché couche fou, dans tout trou, dans toute paille, en bas tout ego, la police a cherché J-Cube, qui c'est John Joel Joseph, c'est un élément clé important pour la justice haïtienne dans le cadre d'assassinat. C'est un bon politique si nous t'apprenons en compte le fait que Claude Joseph
a dirigé PIA et c'est lui qui remplace le président assassiné. Hein. Donc c'est ça nous capable de la guerre par procuration et qu'a fait en Haïti aujourd'hui et qui est conduit avec crime ça crapulé odieux et ça assassinat chef l'État Jovenel Moïse. C'est précisément aujourd'hui que Premier ministre là et journée aujourd'hui tout le monde connaît, c'est lui-même qui prend charge et qui a annoncé former commission pour funérailles chef l'État PIA Jovenel Moïse. Et c'est lui-même qui dit qu'il était voué Timounio en lien sûr, quand il était dit petit président en lien sûr. Et c'est lui-même qui dit que c'est le premier monde qui parle avec la première dame. Quand la première dame a sorti dans la salle d'opération, et il prend téléphone, il vient de téléphone, relais premier ministre Claude Joseph. Nous ne connaissons pas qui ça lui dit exactement avec la première dame. Qui ça, première dame, parle. Mais le premier ministre dit lui parle avec la première dame. Tout bagaille sous contrôle. On encore t'assemblée passée entre épouse chef l'État Jovenel Moïse pour t'a créer une commission qui chargée pour organiser funérailles solennelles dignes pour chef l'État Jovenel Moïse. Et c'est ça Claude Joseph t'a fait comprendre. Parmi preuves qui très connues dans unité enquête Noticias Caracol et soufflé banou là et n'appelé pour là, gain des appels téléphoniques. Il y a des photos de réunion qui liaient. Ça n'a pas mis le conditionnel, guerrier. Il n'a pas mis le conditionnel. Il a dit qui lirait, mais qui dit qui lit. L-I-E-N-T. Il va mettre ça au conditionnel. OK? On vous prend phrase ça. Parmi preuves que nous connaissons dans l'unité enquête là, dans Noticias Caracol, il y a des preuves côté il y a des appels téléphoniques, des photos de réunion. Qui t'a, et maman pas mettre ta, qui lié, parce que je pas mettre le conditionnel, et ça fait me tourner avec prudence, qui lié Premier ministre là, avec mercenaires colombiens. Enquête claire, sous rôle qui t'a joué chaque monde dans le complot ça. Après rencontre Miami, hein, Colombien Pretel, et surtout Haïtien Diem Solage, yo te fon ka se tête tourné pour aller chercher Jonathan Rivera qui lui-même t'est assisté rencontre là et qui t'est conduit au bail frère qui c'est capitaine là mais retraité German Rivera avec sergent Duvernay Capadol qui lui-même tout en retraite. Trois camarades ça yo associé ça yo vini ou quoi là maillon clé mercenaire colombien yo à premier ministre là et entre premier ministre à droite dans affaire et destin yo yo vinn terminer différemment. Jonathan li pat nan opération li vini kounya là un témoin exceptionnel nan sale affaire ça. Il va me dire ça l'affaire, non. Non, il dit dans cette affaire, moi me dit ça l'affaire. Tandis que frère German li vinn prisonnier dans moment ça dans pays d'Haïti. Et Capadol mouri la caille président. Vous causez, m'a quand tu gagne l'autre monde de mourir non. C'est autorité haïtienne yo yo gèl état épinglé nan la mort Capadol kay président gen causé. Enquêteur documenté pour faire connait entre mois novembre ou rive mois mai Solage te gagné en communication en pile communication téléphonique constante sans arrêter depuis Miami, Floride, avec Capadol et deux frères Rivera. Vous connaissez, vous avez introduit le bayo, vous comprenez, dans City Ua. Donc, les gens qui sont de près. Parmi les contacts téléphoniques, vous avez pu figurer un lot de garçons clés dans la cause de ça pour l'autorité. C'est avocat, leader politique haïtien, Fenil Gordon. Qui d'après enquêteur yo il
li te participe li même pour aller acheter zam pour commando mercenaire. Point d'interrogation. Nous rappelons. Nos commentaires. Ben seulement n'a pas rappelé Noticias Caracola, son groupe de presse en Colombie. C'est ça, CNN, représenté pour États-Unis, France 24 ou France Info, représenté pour pays la France. Donc, information nous joigne de journal colombien. Ça, il y a un article révélation sous préparatif qui menait assassinat et président Jovenel Moïse. Révélation, monsieur n'a pas rappelé qui arrivait dans le moment côté DCPJ a fait de percer là, dans le cadre enquête liée sous assassinat et président qui permettent déjà de mettre en bacode plusieurs citoyens haïtiens. Parmi nous, même article la cité à Pasteur Christian Sanon, James Solage, Yon Mercenario, ak Maître Désir, Gordon Fenil, qui gagne yon avis recherche d'elle. D'ailleurs, nous parlons de ça dans le journal La Matin. Oui, Désir Gordon, yon fait qu'on est un avocat dans le consulat dominicain dans Pétionville. Ouais. Donc, un pile parole. Causé dans la République? Oui, un pile parole. Parole qui va être fait mal. Oui. Parole qui va être demandé. Oui. Bon précision. Parole qui va pousser d'actuel comme de victoire. Oui. Bon précision. Bah connaissons sur ce parler de ça. Il parle de réunion faite en 2020. Novembre 2020 et le ça. Claude Joseph Potko et Premier ministre. Oui, en fait, nous avons souligné ça. Donc, c'est des petits détails peut-être pour le monde chercher. Donc, c'est tout un travail d'investigation journalistique. Mm-hmm. Mais il y a plein de précautions. On remplit le côté, il fait référence à et conditionnel. Mm-hmm. Donc, nous-mêmes, nous fait que rapporter en article dans un journal colombien sous situation en Haïti par rapport à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Sur les traces du président Jovenel Moïse, n'a retourné dans la ville Port de Paix, côté ancien famille présidentielle là, tap vive. Avant, il était venu dans le palais national. De nouvelles informations sur famille, ça, dans Port de Paix, sous passage président Jovenel Moïse, côté jusqu'à présent, il a gagné business li qui a fonctionné, gagné caille construit dans l'entrée Port de Paix, il y a des gens qui songeaient président Jovenel Moïse. Jean, yo même famille ça, les Martine tap vive dans le Port de Paix. Correspondant nous, Work Jovens Clavel pral faire. On travaille d'enquête pour nous. Dieu merci pral partager pour nous au travail d'enquête ça. Il fait puisque hier nous t'es intéressé qu'on ait plus de détails sur famille ça, l'autre petite président gain et qui est toujours à vivre Port de Paix qui d'ailleurs responsable business autopatria et autopatria. Il y a et usine glace Yogain actuellement dans Port de Paix. Rock Jovens Clavel, bonjour. Demain là, gagné réseau supporteur Jovenel Moïse qui prévoit organiser on marche dans ville là, mais jeudi un gagné une activité de nettoyage et tout ça a fait en mémoire de Jovenel Moïse. Rock Jovens Clavel, correspondant dans Port de Paix avec nous matin, j'en ai annoncé. Rock, est-ce que vous recevez nous? Rock Jovens Clavel, correspondant nous dans Port de Paix pour une intervention assez spéciale matin sur passage ancien famille présidentielle là dans Port de Paix. Port de Paix qui apparaît pour rendre hommage à l'ancien président Jovenel Moïse. Demain, il y a un match qui pourra l'organiser dans la cité Capoala Mola. Même matin là, il y a une opération de nettoyage dans Port de Paix. Rock Jovens Clavel, bonjour. Bonjour Pierre Enel, bonjour Guerrier, bonjour Bob C. Effectivement, gagné réseau supporter Jovenel Moïse dans la région nord-ouest là, qui cassé rendez-vous matin, jeudi 15 juillet 2021, pour nettoyage boulevard 3-1 avant match pacifique Cap Gain pour fête demain vendredi 16 juillet 2021. Pour porter solidarité avec le chef de l'État haïtien, président Jovenel Moïse. Machelin a commencé devant place cathédrale Port de Paix pour Albout, dans le poste 3-1, côté tout le monde en blanc ou noir, et puis Alain Naméo, d'après notre
pour la presse réseau supporter Jovenel Moïse Météo. Suite à l'intervention que tu fais hier dans le journal Première Occasion, et Nabdi, nous recevons plusieurs notes pour la presse pour dénoncer l'assassinat et bandit 100 fois nous l'avons fait sous président Jovenel Moïse. Pour mairie Port-de-Paix, notre lien a daté 11 juillet 2021. Bureau communication municipalité Port-de-Paix, non nom magistrat José Alisma, condamné Zach Sassinaïsa sous président Jovenel Moïse. C'est un Zach lâche et baba dans l'idée pour faiblir toute institution paysan et puis faire mon paix. Et ça, c'est notre qui sortit et bon côté mairie Port-de-Paix. Et puis, gagné le professeur Mertilis Amdalas, lui-même qui est un opposant farouche au pouvoir en place, lui-même qui a écrasé le référendum dans la cour Jean Rabel, eh bien, professeur Mertilis Amdalas lui-même lui est présenté et condoléances à la famille présidentielle. Mertilis Amdalas lui-même qui dit, en tant qu'un citoyen nord-ouestien, démocrate, qu'on et li son monde qui éclairé li condamné fermement et sans ambiguïté assassinat lâche ça yo fait sous président Jovenel Moïse pendant li souhaitait un prompt rétablissement à première dame république Martine Moïse. Et puis sous enquête nous mené hier Pierre Renel René Nabdo dans moment n'a parlé en langue gagne frère président Gabriel Moïse qui part dans la ville Port-de-Paix. Maintenant, si parler nous fait avec l'autre proche président, tout à fait quoi que le président lui-même lui gagne trois petites. Deux petites avec Martine Moïse, qui c'est Jomaline Moïse, et puis Jovenel Moïse Junior, et puis Jovenel, dont l'autre petite qui porte le nom Jovenel Moïse. Et mon cap dirigé, usine qui est président, business qui est président gain dans ville Port-de-Paix, c'est petite Martine Moïse qui porte le nom Jovenel Moïse Junior. Pour nous finir avec ça qui est juste avant, Jovenel Clavel, nous te dis son intervention. Walk Clavel. Puisqu'il est autorité judiciaire à privé qui contrôle pour son route bassin de gouvernement. Parce que ça a plusieurs reprises et nèg exam sans difficulté bloqué autobus qui a sorti dans la ville Port-de-Paix, qui a planté dans la capitale pays. Bandi ça a toujours poté aller, tout ça passager au gagné. Faut que nous disions, hier mercredi 14 juillet 2021, dans la zone Gaumont, au moins 7 passagers arrivés enlevés à bord d'un autobus qui a assuré le trajet Port-de-Paix, Port-au-Prince. Parmi les bandits qui ont enlevé, il y a là, Révérend Père Cal-Henri Lucien, jusqu'à présent, qui nommait Bandio. Port-de-Paix, Walk Juventus Clavel. Nous parler de avocat international, bureau avocat international, le BAI, qui est dans tête collée lui-même avec mouvement Liberté, Égalité, Haïtien pour Fraternité, qui est dans le jeu Molegaf, yo mettez ensemble pour dénoncer ça y aurait les coups d'État, yo dit équipe PHTK t'a fait sous propre tête li. Yo dénoncé tout certains politiciens, yo dit qui t'a pas comploté la communauté internationale là pour kembe pouvoir et puis continuer kembe pays en crise politique avec la misère. Responsable de entité Sayo dans sens ça, il a estimé qu'il est le temps pour masse peuple prendre des stèles en main. N'a pas pour nous écouter tout à l'heure Mario Joseph. Sur un pile parole a pas sorti sur assassinat et président Jovenel Moïse Gayen. Jeanne d'Abdil tout à l'heure à bureau avocat international au BAI dans tête collée avec Molegaf qui allait même jusqu'à proposer dans sens ça au Conseil d'État qui a bien là-dedans lui représentant chaque département d'un pays qui un représentant dans diaspora et une manière pour former un conseil gouvernement populaire pour assurer transition. Responsable BAI, M. Mario Joseph Namiko Gerline Morestin. BAI noté dans manœuvre politique PHTK et allié a fait pour renouveler tête yo sous pouvoir et puis qu'un bel système pesé sous CA. Missionnaire étranger à complicité entourage ancien président de facto criminel ou bien famille politique li assassiné Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet 2021 assassinat dramatique ça pas la doit étonner nous l'en considérer une méthode gouvernance régime criminel PHTK qui toujours chita sous crime et spectaculaire à la paresse. Et a noté tout
mandant juge de paix pour même faire constat cadavre ancien président criminel là et puis autoriser lever cadavre là oligarchie économique là gros potent tapé acheter caillou par les nations racistes là te gain temps forcer société à Valetti Claude Joseph a qui un plan la mort pour fabriquer élection faux mamite sous direction ambassade américaine à présence occupation militaire BAI dénoncé plan la mort ça yon l'autre bord BAI a dénoncé toute manœuvre politique, politicien, konze, rakete, ak volon dans la société civile en haut, qui ta gen un agenda yo, pren pouvoir sur un accord politique largement large, côté revendication peuple, insérer la donne ak mécanisme pour participation peuple. Dans ce sens, BAI propose, nous dit, pour nous aller dans la tension rupture, pour peuple à participer, il faut avoir un conseil d'État qui, côté tout département, y compris diaspora, a représenté. Si y a fait avec 11 membres, il y a un monde sorti dans chaque département, et bien, il y a un sorti dans la diaspora. Rôle conseil d'État, ça, c'est mettre des mécanismes pour choisir un conseil gouvernement. Nous voulons dire, ce n'est pas monde qui vous dit c'est eux-mêmes qui sont bien placés pour le président. Ce n'est pas Calambert qui vous dit c'est lui qui est président. Il faut qu'il y ait un mécanisme de participation populaire et moyen ça à bail du conseil d'État. Ça. Il faut créer, si vous voulez, si bien temps, conseil départemental, conseil communal, conseil section communale, tout. Parce que nous, dans le pays, il n'y a pas de aucune city, aucun mécanisme de participation. Tout est sur le propre de presse. Et ça fait nous gagner. Un pays jeune là, nous pas permettre moun nan Grand'Anse participer, moun nan Latibonite participer. Seulement bon, c'est vrai ou bien des sénateurs qui viennent, des nèg qui fait affaire par nous on barre ça. Mais si nous arrivons, nan kafou nou là, Conseil d'État a aidé nous mettre mécanisme et Conseil d'État lui-même mandat a fini pendant toute période transition que c'est 2 ans ou 3 ans jusqu'à ce que l'élection faite et bien la plaque pour finir BAI a demandé peuple à caler jeune. Songez en campé pour nous défendre les revendications. Qui clair qu'on doit faire une transition coupée, fâchée, qui a réconcilié le pays à travers une conférence nationale qui grand monde tête pour nous orienter le pays sous base respect la loi, respect grand-dette majeur pays, respect de l'amour et justice sociale. Vive un accord politique largement large qui chita sous participation à la revendication massive. Vive une transition coupée, fâchée pour craser le système pays social. Président Ligue haïtienne droit mounan Jean-Noël Barthelmy Desius Bapote parle encourager saluer yon large consensus en tout acteur politique et société civile là dans le pays d'Haïti pour assurer gouvernance pays et pour aboutir à bon jan élection crédible pour mettre dirigeant légitime dans tête l'état suivant prescription constitutionnelle yo. Monsieur Desius qui condamné assassinat et Jovenel Moïse a critiqué Goumen qui déjà fait parmi acteurs politiques pour diriger gouvernement lorsque pas gain aucune entente qui conjoigne sous situation payante. Côté plus détails à Jean-Noël Barthelmy Desius dit dans micro Michel Adrien. Au niveau de l'OUDH de la Ligue haïtienne droits de l'homme, nous avons stupéfaits suite à l'assassinat du chef de l'État de la nuit du mardi 6 au 7 juillet écoulé. En la circonstance, nous voyons Saint-Patine, Bahir, famille présentée là, et aussi toute nation. Nous sentons que nous sommes un peu tristes aussi le fait qu'un chef de l'État tombé dans des conditions les plus cruelles de l'histoire. Au lendemain de son assassinat, la lutte pour le fauteuil présidentiel est trop acharné. Tout le monde veut arriver au fauteuil présidentiel, les partis politiques, les leaders de l'opposition et même des gens au pouvoir en place. Nous pensons que ça n'a pas fait image d'IA, ça n'a pas fait image du peuple haïtien qui a fait l'histoire. Nous avons supposé au lendemain de cet assassinat à réfléchir sur les circonstances. Si lui-même, comme chef de l'État, est arrivé à la Kaili, et nous autres, comme citoyens, nous encore plus vulnérables. Au lieu que de réflexion capable de continuer cette situation que vous êtes ensemble, c'est la course pour le fauteuil présidentiel qui enfin tire. L'article 59 de l'option version amendée n'est pas d'imposition légale aux situations. Par conséquent, tant pour Dr. Joseph, tant pour Sénateur Lambert, l'article 59 ne tient pas. Par conséquent, nous autres, au niveau de la Ligue haïtienne des droits de l'homme, nous prenons un accord politique, côté que le pouvoir en place supposé mener consultation avec du reste
Sénat, qui sont des élus quand même restants, même s'ils ne valent rien. Deuxièmement, avec l'opposition plurielle élargie. Troisièmement, avec la société civile élargie. L'homme société civile, c'est pas nécessairement Port-au-Prince qui habituellement prend en otage toute bagaille, mais c'est le pays en entier qui doit consulter à la matière pour que, ensemble, nous envisageons la meilleure formule d'assurer la continuité au sein de l'État après cet assassinat.